Plusieurs ex-républiques soviétiques se sont soulevées et la plus importante d'entre elles, le Kazakhstan, est aujourd'hui le théâtre d'une guerre éclair. Ce pays fournit des quantités importantes de gaz et de pétrole aux Occidentaux. Ce matin, les troupes chinoises ont gagné la frontière de l'Est, près de la ville de Lepsi, afin d'en protéger les sites culturels. Toute la zone est aujourd'hui au bord du gouffre. Il ne reste plus qu'à espérer que la situation ne s'envenime pas davantage. Bienvenue au Kazakhstan, messieurs. Je suis le lieutenant-colonel Bob Scott, commandant de la force opérationnelle de l'OTAN dans cette région d'Asie centrale. La situation actuelle est bonne. Pour l'heure, notre principal souci concerne la périphérie de la ville d'Almaty, au sud-est. Cette zone, frontalière avec la Chine, est un lieu de passage obligé pour l'incursion. Il est clair que les troupes chinoises ont des intentions hostiles, mais on ignore quel est leur projet à terme. Sont-ils de passage ou comptent-ils rester ? Des négociations sont en cours. En parallèle, nous allons jouer notre rôle de stabilisateur. On a peu d'infos sur les autres groupes armés présents dans le secteur. Tout élément doit être considéré comme hostile, en attendant d'en savoir plus. Elle est coincée dans la raffinerie. Vous allez donner l'assaut Dardar, engager le combat et préparer le secteur pour l'héliportage. Vérifiez votre barda et filez. Ah!
soldats. On a gagné une bataille. Reste la guerre.